Et nous sommes de retour pour plus de Ragnarok. On a perdu Brock. C'est triste. Le dernier épisode était assez triste. Et on est à Muspelheim pour trouver un... Donc c'est un nain normalement. Pour trouver Surt, qui devrait être un nain et qui devrait nous aider à... à se transformer en créature qui détruit Asgard. En gros c'est ça. On est parti. Attention! Aucun! Quoi? Il évite toutes les attaques! Ah, c'est bizarre. Je me demande s'ils ont vu leur prophétie et choisi de s'isoler dans leur propre royaume pour la combattre. Cela se comprendrait. Pourvu qu'ils comprennent pourquoi le Ragnarok doit avoir lieu. On a bientôt... On a bientôt fini les corbeaux, ça c'est cool. On arrive à la fin, hein, aussi. Enfin, on a même plus... À moins qu'il y ait une autre nouvelle zone. Regarde, là-bas. Notre nouvelle zone et tout ça, on n'aura plus trop de secondaires non plus. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Moi non plus, je voulais pas te voir! Ah! On a le... À ta droite! Je sais pas ce qu'ils font, mais ça me dit rien qu'ils baillent. Ouais. On a Ratatosk. Sur le gamin. Tiens pas! Je crois que la forge est après cette chute de lave. J'en ai sûr. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une forge. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève Ratatosk du gamin? Ou pas? Hein, ou on le laisse? On peut détruire ça? Non. Ouais, on a Ratatosk sur le gamin pour des pierres. Bon, après, ça peut être utile. Hein. Je pense qu'on est assez puissant pour... pour ne pas avoir besoin des loups, là. Est-ce qu'il va être ici, le corbeau? Corbeau d'Odin, 1 sur 2. Ouais. Ce sera le dernier, ce sera ici. Cool. Au cas où Surt refuserait de nous aider, nous devons être prêts. Prêts? La prophétie dit que Sinmara et lui s'uniront. Mais rien ne dit qu'ils seront d'accord. Tu voudrais essayer de forcer ces êtres primordiaux à se soumettre? Je sais pas. On ne gagnera pas cette guerre sans eux, pas vrai? Aïe, pense comme Kratos maintenant, ça y est. Nous devons être proches. J'entends la forge. Attends, il y a des trucs là. Alors, j'en ai vu un là. Après, j'en ai vu là. Comment? Ok, ça marche. Ah, comme ça alors. Je
Aoka. Ok, deux. Ouais, non, ici ça va attendre, parce que ça c'est un boss, hein, je suis sûr. Et les trucs. Qu'est-ce que c'est relou quand même des fois. Ah, non. Oh, là. Là? Ah, quoique, attends. Aoka! Ouais, ça marche, ok. Et voilà! Pas mal. Pas mal du tout. Justice d'Alfheim. Force et vitalité. Ouh, vitalité 20. Vitalité 20. Ça, c'est bien, ça. Il y a quelque chose devant. Tiens-toi prêt. Ah, putain. Je vois strictement rien. Frappe-le quand il brille. Les sources, c'est le moment. Oh, doucement, doucement. T'es en feu. On doit déjà le savoir. On l'a assommé. Que le bordel. Ouais, j'y vais un peu comme un bourrin aussi. Oh, oh merde. C'est fait avoir comme un débile. Ces piliers semblent fragiles. Il y a peut-être une source. On s'est fait avoir comme un nul. Pas grave. On l'a fait super bourrin aussi. Je fonçais, au lieu de balancer l'âge ou quoi que ce soit, je fonçais dessus en fait. Mais c'est pas grave. C'est forcément lui. Nous lui demanderons. Ah
approcher. Bonjour. L'homme cendre. Surt ? Bon, soit ce n'est pas lui, soit il nous ignore. Allez. Ok, on y va. Corbeau. Merde, il y a un corbeau. Bonjour. Nous cherchons un géant de feu. Allez-vous-en. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, c'était pas... On s'occupe d'abord de cela. T'es en feu. Ouais. Tu dois déjà le savoir. Concentre-toi. Il est le gardien de ce royaume. Le défendre est son droit. Tiens, je sais même où tu peux te la mettre. Ok. On a tué un. L'ancien est assommé. C'est le moment. On y va, on y va. Go, go, go. Derrière toi, père! Ouais, la bombe. Ok, très bien. Oh, si c'est vraiment Surt, il va avoir des comptes à rendre. N'oublie pas, nous avons besoin de lui. Attends. Je l'entends. Il doit être là-haut. Certains. Comment on fait pour y aller? Bon, on va aller parler à Surt, peut-être qu'on débloque ça après. Par contre, on a récupéré des trucs, je crois. Bon, du coup, peut-être que le Ratatosk, là, c'est peut-être utile. Don de fureur, rage partielle. Alors, réduit nettement le coût des attaques de... et de la sortie de rage en état de fureur, mais les soins sont également diminués. Ah, ok. C'est vrai que ça consomme beaucoup en fait de se mettre en... de sortir en... de fureur, de se mettre en fureur et tout ça déjà. Et après de taper, ça va plus, ça descend encore plus. Mais c'est pas mal. Surtout que bah nous on a une grande barre quand même, donc ça pourrait être utile. Bon, on reparle. Je ne vous aiderai pas. Qui es-tu? Celui que vous cherchez. Du moins, ce qu'il en reste. Pourquoi refuser de nous aider?
parce que... je n'en ai pas envie. Mais encore. Nous mourrons. Bien sûr. Et comme tu as tellement de choses à perdre... Pas moi. Elle. Alors à quoi tout cela sert-il? Tu te terres ici, loin de Sinmara, en attendant la mort? Au moins, si tu la rejoignais, vous seriez à nouveau réunis? Nous sommes réunis. J'ai son cœur. Elle a le mien. C'est peu de choses. Mais c'est suffisant. Wow. Mais vous n'êtes même pas... As-tu déjà été amoureux? Oui, c'est la pire des choses qui existent. Une sensation délicieuse. Jusqu'à ce que ça disparaisse. Alors Odin sera victorieux. Et tous les royaumes tomberont devant Asgard. Oui, il doit mourir. C'est vrai. Mais je ne la sacrifierai pas plus que tu ne sacrifierais ton jeune garçon. Désolé. Bien. Attendez. Ces lames. Puis-je les voir ? Ah. Pourquoi ça l'intéresse? Elles viennent d'un autre pays. Mais elles renferment du feu primordial. Elles ne sont pas d'ici. Aucune importance. Ça pourrait marcher. Mais quoi ? Comment ça ? Plante-les. Juste là. Quoi ? Je deviendrai ton monstre. Mais elle ne doit jamais être impliquée, en aucun cas. Mais... la prophétie dit que vous devez vous associer. Est-ce que ça peut marcher ? Ai-je quelque chose à y perdre ? Bon, bah on y va. Pas ici. Suivez-moi. C'est très étrange. Ah, les lames qui vont servir pour créer la fin du monde. Enfin, la fin d'Asgard, en tout cas. Où nous conduis-tu? C'est-à-dire? Le lieu où Muspelheim rejoint Niflheim. Là où les premiers royaumes sont nés. Cool. Tu n'es pas capable de passer à travers cela. Ah, il est assez puissant quand même. Surt? Je suis là. Je ne veux plus marcher. Qu'est-ce qui nous attend à cette étincelle de la création? De la magie, des trucs primordiaux. Avec ça, tes lames, mon cœur, tout ira bien. Je vais, comment dire, écraser des choses. Ça va vous plaire. Que se passera-t-il quand tu changeras? Aucune idée. Je ne serai plus moi. Mais comment seras-tu? Ou... comment le nouveau toi sera quand attaquer Asgard? Tu as le corps. Non? Oui. Alors tout va bien. Mm-hmm. Surt, tu étais là. Au commencement de toute chose? Oui. C'était comment? Bruyant. Bien. La voilà. L'étincelle de la création. Wow. C'est... splendide.
Rendez-vous là-bas. Tout semble trop facile. Odin sait que nous avons le Gjallarhorn. Il sait que tu as le masque. Après avoir tué Brock, il savait qu'on chercherait Surt pour déclencher cette guerre. Mais quel autre choix avons-nous ? Aucun. Il sait aussi cela. Eh ben... On a récupéré des choses intéressantes. Non, c'est juste pour augmenter la hache et les dagues. Je croyais que vous étiez pressé. Ouais, pressé vite fait quoi. Mais comme, voilà. Comme Kratos. Shinmara, ne devrait-on pas lui en parler ? Non, cela lui ferait trop de peine. Je sens qu'il va se passer ce qui t'est arrivé. Un problème. Aimer quelqu'un demande parfois de choisir le moindre mal. Ça n'a aucun sens. Promettez-moi de ne pas l'approcher. Tu as notre parole. L'amour a aucun sens. Est-ce que te transpercer avec les lames suffira à créer ce nouveau toit ? Le cœur de Shinmara est froid. Merveilleusement froid. Ton père détient désormais mon feu dans ses lames. Si ce feu se mêle à elle en quantité suffisante, cela devrait marcher. D'accord. Approche. Ouais. Qui ? Reculer. Combien de temps tu crois que ça va prendre ? Oh ! C'est des Valkyries, ça ? Oh, merde. Des Valkyries ! Odin, tu les envoyer ! Oh, putain. Irstemis. De pas avoir besoin de moi. Derrière toi, attention. Attaque. Je suis derrière toi. Oh, elle partage la vie, elle partage les debuffs aussi. Oh.
Oh mon dieu. J'ai essayé de prendre les... C'est sans déconner. Oh, j'ai essayé de prendre des pierres et ça m'a foutu dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est reparti. Ton aide serait la bienvenue. Il faut des pierres. Merde. Allez, fuck, on y va. Elles ont les mêmes attaques. Putain. On fait quoi là? On n'a plus notre pierre de berserker. Oh, on est tellement dans la merde. On n'a plus notre pierre de berserker. Par contre, je me demande si on devrait pas mettre la fureur à la place. Ah, ça va, ils nous mettent full vie. Pour le combat, ça va. Ça va faire mal. J'en peux plus de toi, je suis à bout. La salope. À gauche, attention. Oh là là. Je suis là. C'est trop cool. C'est super. Ouh. Affronter un duo de Valkyries revient à combattre la mer et le ciel qui se rencontrent à l'horizon. Leur coordination en combat est sans pareil. Je regrette qu'elles aient choisi de prêter serment à Odin, car ce type de corruption ne peut être dissipé par la mort. Et j'aurais préféré que ces Valkyries se battent à mes côtés. Le père de tout les avait envoyés chercher le masque et peut-être Atreus. Espérons que la nouvelle de leur trépas atteindra rapidement Asgard. Ça a marché ? Surt ? Tu es là ? Eh ben...
Ah ouais, ouais. Putain, quel combat. Nous aideras-tu à attaquer Asgard? J'attends l'appel. Génial. Tu as entendu? Nous n'aurons qu'à l'appeler avec le Galarond quand nous serons prêts. Cool. Retournons à Muspelheim. On pourra y utiliser l'accès mystique. Ok. Ah ben putain. On a le Ragnarok avec nous. Le plan de Surt. Il a marché. Je veux dire, les Valkyries ont posé problème, mais je suis sûr qu'Odin commence à s'inquiéter. Il sait qu'il va avoir affaire à nous. Ouais, bof. On sait toujours pas ce qu'il peut faire, Odin, en tant que pouvoir. Quand on y pense, on va arriver à Asgard et le Ragnarok va venir et tout détruire. Odin n'aura pas l'ombre d'une chance. On va gagner. Groa avait raison. Groa n'a pas su prédire ce que nous allions sacrifier en retour. Elle ne voyait peut-être que les grandes lignes. Ça va marcher, pas vrai? Il le faut. On n'a pas vraiment le choix, hein, honnêtement. On n'a vraiment pas le choix. Le Ragnarok gagne en puissance. Hé, regarde cette falaise. La secousse a dû être assez forte pour créer une corniche. Putain de merde. Des hommes d'Odin. Ils viennent finir ce que les Valkyries ont commencé. Là, ils peuvent toujours essayer. Hein. C'est pourtant simple. Évite les coups. Un autre Grenaria! Sur la gauche! Non, putain. Oh la pute! Tu vas bien? Non. Non! Mon dieu! C'est clair! Attention! J'ai du mal, hein. Il en viendra d'autres. On va sortir d'ici. Oh putain la vache, j'ai du mal hein. On y arrive hein, mais bon. Par ici, Perse. On peut grimper pour rejoindre la porte. Encore une fois, je sais que l'écureuil est sympathique. Parce que ça met des pierres, mais je sais pas si pur dégâts c'est pas mieux avec les chiens qui foutent le bordel et tout ça. Je Alors, pense que c'est tu mieux. Tu as mené de nombreuses guerres, pas vrai? Tu n'as jamais eu d'alliés comme le Ragnarok à tes côtés? Si. Et la créature ne garantit pas notre victoire. C'est vrai. Ah si, il a vu des grands, des géants. Genre Gaïa, non, je sais plus si c'est vraiment son nom. Mais je crois qu'elle l'a trahi à un moment. Et il l'a tué aussi. Encore une secousse. Si ça continue, tout le royaume va s'effondrer. Ouais, je vais promettre. On va remettre le. Les chiens, honnêtement. Je pense que ça m'aide beaucoup dans les dégâts et ça me fout moi dans la merde en fait.
pas ce que je veux. Derrière toi, attention! Derrière toi! Derrière toi, attention! Derrière toi, regarde! Attention, tu as du vide froid sur toi! Faut juste que je regarde un peu. Connaissances. Il reste plus que des connaissances en fait. Quoique. Oui, connaissances. Une grande stèle, donc ça devrait être facile à trouver. Oh la vache. Ah bah, honnêtement, tu t'envoies une armée de cauchemars, c'est fini, hein. Tu gagnes. Hein. Tu gagnes facilement, haut la main. Une armée de cauchemars. Qui se suicident tous. Ah, tu vas en perdre beaucoup, hein, mais t'inquiète pas qu'il n'y a plus personne en face. Oh la vache. Ces trucs, quoi. Les Zénériards vont continuer à nous attaquer sans relâche. Il faut qu'on s'en aille. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Tu me dis rien. Je sais, tu ne dis jamais rien, mais... là, c'est différent. J'espérais que cette vie de batailles incessantes serait terminée. J'espérais que mon fils ne ferait jamais la guerre. Hermite ! On doit détruire ce bouclier ! Qu'ils sont pénibles. Le Ragnarok approche. Ils savent ce qui va arriver à Asgard. Viens pas. Saute à droite. Le cavalier le soigne encore. On y va, on y va, on y va. Avant que d'autres choses nous tombent dessus. La porte est là, de l'autre côté de cette faille. Attends, il nous manque quelque chose. Ça m'emmerde, ça. Il nous manque une connaissance, tu te fous de moi? Ah. Alors, on y reviendra peut-être. Non, on n'a pas vraiment fini.
Père, je sais que nous faisons ce qui est juste. Il faut que le Ragnarok ait lieu. Le tribut que nous avons payé pour cette guerre est lourd. Il ne fera que s'alourdir. Ça en vaut la peine. Mes frères, comment était-ce? Eh oui, j'ai fini par ne plus être d'aucune utilité à ce crétin de Van. Il est où? Ah, il est là. Le Ragnarok attend notre appel. Tout comme les armées de Hel. Grâce à moi, surtout. Il semble que la guerre arrive enfin. Cool. Où allons-nous, mon frère? Nous avons du temps avant de rejoindre les autres temples. C'est peut-être notre dernière chance, père. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux finir? T'es sérieux? Bah, on a une connaissance. Oh, ça m'emmerde, ça. Est-ce qu'on peut aller vers la tombe, là? Il était où? Niflheim. Non, on peut pas aller ce côté-là. Non, mais... Ah! On peut faire ça, par contre. Les corbeaux, on les a tous. On les a tous. Ça a l'air utile. Ok, très bien. As-tu vu Sindri? Ouais. Il est pas en grande forme. Enfin, personne ne l'est. Je regrette, Lunda. Je sais que toi et Brock... Promets-moi que tu t'occuperas d'Odin. Quoi qu'il en coûte, promets-moi que tu ne laisseras pas ce chien s'en sortir comme ça. Compte sur moi. Parfait. Et au passage, si tu pouvais aussi en profiter pour lui arracher les baloches, n'hésite pas, j'adorerais m'en faire un collier. Ok. Ok. Allez, va fendre des têtes. Ouh. Ah, ça, c'est du couteau bien énervé. À côté, la lance d'Odin ressemble à un cure-dent. Donc on a Dropnir au max, les lames du chaos, et Léviathan, il en reste qu'une seule. Pourquoi j'ai encore arme? Qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi j'ai encore arme qui clignote? Et pour le gamin? Oula, c'est quoi ces trucs? Okay. Tu sais ce que tu veux? Ouais, on a tout au max. Il y a ça, les vestiges renforcés. Aucune idée encore de ce que c'est. Il nous faut une pierre de berserker. Nickel. Ah oui, on a récupéré... Tempête de Vindsvarl. Série de cyclones chaotiques qui dévastent tout sur leur passage et infligent des dégâts à tous les ennemis. Génère un cyclone supplémentaire et augmente la zone d'effet de tous les cyclones. Génère un cyclone supplémentaire et augmente considérablement la durée. Ok.
Ça a l'air pas mal. Je vais être honnête, c'est compliqué de faire mieux que le... Bah, le problème, c'est qu'en fait, on a des trucs qui ont le même temps. C'est pour ça que j'essaye d'avoir le même temps. Et que la hache, à la limite, qui est un peu plus court. Mais après, tout le reste qui est à 60, c'est un peu nul. C'est un peu nul. Ouais, non. Honnêtement, j'aime bien. Les lances qui tournent, c'est magnifique parce que ça suit et tout, quoi. C'est complètement absurde. Ai-je bien entendu ce qu'ils viennent de dire? Oui. J'ai pas vraiment compris ce qu'elles ont dit. N'approchez pas de mes enfants. Avez-vous la moindre idée du temps nécessaire pour faire de leurs esprits quelque chose d'utile? La moindre idée des efforts nécessaires? La patience? Sans moi, c'est misérable à passer. Vaincre la gardienne des corbeaux. Donc c'est elle qui les manipule, enfin qu'elle doit travailler pour Odin du coup. On a une nouvelle bourrasque destructrice. Invoque une énorme tornade qui fait tomber les ennemis sur son passage. Oh, c'est joli ça par contre. Augmente la durée et la tornade et les dégâts qu'elle inflige. Augmente davantage la durée de la tornade et les dégâts qu'elle inflige. Augmente considérablement son rayon d'effet. C'est pas mal ça. On teste. C'est pas comme s'il nous manquait de... de l'expérience. Bon, où est-ce qu'elle est passée? À droite? Ah oui. C'est parti. Ça ne s'arrête jamais. Skirpa. Oui, il y a du monde. À droite, mon frère. Ah, d'accord. Cible éliminée. Ok, il y en a beaucoup. Impressionnant.
plaisanterie ? Il y a un La tempête promet trop de temps pour revenir. Ça c'est de l'ennemi. Le blême. Attention. What the fuck? Par contre, attendez, on va recommencer le combat. Mais la tempête, elle met trop de temps. Bon, alors elle est sympa et tout ça, c'est stylé, je suis d'accord. Mais on a trop des synchronisations parfaites en fait avec les habilités, avec les runes des trois armes. On peut pas se permettre d'avoir un truc aussi lent en fait. Genre c'est le double en fait. On peut pas. On peut pas. Sinon, on peut pas faire la. On peut pas sortir la tempête et tout, ça baisse notre DPS. Les flèches d'abord, tu te souviens ? Pas du... Non mon dieu. À gauche mon frère. Maintenant c'est quoi, c'est le dragon? Oh la vache. Père, attention. D'accord.
vache. Dis d'accord. Quelle force. Ah, comme ça on a le... La tempête s'y revient. Suivant. Je sais qu'on peut gagner. Utilise tes flèches. Bravo, mon frère. Justement, les corbeaux ou les enfants t'en sont reconnaissants. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire pour eux? Est-ce qu'on pourrait ramener leurs âmes, peut-être? S'il existe un moyen de le faire? Je crains que non. Leurs âmes devraient être intactes, dans leur forme pure, pas corrompues. Oh. Mais on les a quand même aidés, non? Oui. Ne t'en fais pas. Ouh! C'était beau. Comment on sort par là? La gardienne corbeau. Selon Myr, cette gardienne corbeau était une disciple d'Odin. Bah, c'est ce que je disais. Ne disposant pas de capacité physique d'une Valkyrie, c'est par sa ruse et sa maîtrise des Arseilleurs qu'elle trouva son utilité. Odin avait besoin du dieu dans tous les royaumes et c'est elle qui lui apporta la solution. Elle s'empara des âmes des jeunes enfants et les remodela en accord avec les sinistres intentions du père de tout. En libérant ses corbeaux lors de nos voyages, nous avons suscité sa colère. Les neuf royaumes sont à présent débarrassés des espions ailés et de leur créatrice. J'espère seulement que ces pauvres enfants pourront un jour trouver la paix. Besoin de quelque chose ? Dame ? As-tu vu Sindri ? Ouais. Il est pas en grande forme. Ah, déjà enfin, fait. Personne ne l'est. Je regrette, Lunda. Désolé, mais on coupe. On a déjà entendu. Poignée de Forstbrandr. Repoussez brutalement vos ennemis et bénéficiez d'une aura protectrice. Ah ! Épée forgée pour rendre la justice et protéger les vertueux. Ah, ben voilà, un truc qui peut être intéressant. Amulette. Qu'est-ce qu'on a eu? Il nous faut plus d'emplacement d'amulette. La justice de Niflheim. Force 20. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, force 20. Nous, on utilise encore ça. J'ai envie de me demander si on peut pas le si on devrait pas le changer. Est-ce que ça va vraiment impacter en fait? Est-ce que ça va vraiment impacter notre combat? Faudrait voir. Après moi la lance elle étourdit vraiment au bon moment et tout ça. Donc, c'est toi et Brock. Promets-moi que tu t'occuperas d'Oda. Oui. Quoi qu'il en... Partons.
On va tuer Odin. On fait voir un peu. T'es sérieux, ça dure autant de temps? Ouh, c'est pas mal ça. La boutique est ouverte. C'est pas mal. Donc ça fait des dégâts aussi. Hein, repousse brutalement vos ennemis. Ouais, c'est beau, ça repousse. Ok, cool. Cool, cool, cool. Y a aucun moyen d'aller là. Donc je pense que on a juste à finir le jeu. J'ai envie de dire, si jamais on est vraiment à la fin. On doit être vraiment à la fin, parce que vu notre équipement et tout ça. Je pense que on peut continuer, parce que ça c'est des choses sûrement qui vont se débloquer. Genre encore plus tard, ou alors peut-être qu'on finira le jeu. Parce que je me rappelle que quand on finissait le premier, on avait encore des trucs à faire. On doit aller où à Midgar? Ok. On peut aller là. Ouais, autant faire ligne droite l'histoire là maintenant. Alors, nous y voilà. Le début de la fin. La fin d'Odin. Et ensuite, un nouveau départ pour nous tous. Atreus. Je sais. J'ai simplement hâte de voir tous les royaumes s'unir enfin pour lui tenir tête. Les elfes, les nains et elle en personne. Tu as l'air certain qu'ils s'uniront. Ils le doivent. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils le doivent. Pas vrai? Ce qui est marrant, c'est que ça va faire un peu comme, si vous connaissez, Doom Eternal. Où on mène l'armée... je sais plus les noms, mais... contre les démons et tout, c'était super stylé. Tu n'as rien besoin de faire à Midgard? Je veux dire, donc on Freya et les autres sont encore en train de préparer l'assaut. Nous avons du temps. Ah ouais. Non, mais on n'a rien à faire. Il y a que la connaissance, à la limite, qu'on pourrait aller chercher, là. Non, pas Muspelheim. Si, c'est la connaissance à Muspelheim qu'on pourrait aller chercher. Honnêtement, ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas où elle est. Est-ce qu'on peut la trouver vite fait? Je regarde Internet. Nous, on a quoi? On a la forge, la falaise, les plaines. Le creuset, c'est où on a les trucs. Je trouve pas. Il y a que le corbeau et tout. Burning Cliff. Burning Cliff, c'est quoi? La falaise ardente? Je reviens. Je vais voir si on peut pas faire ça vite fait. Ok, donc on est de retour, j'ai juste sauvegardé, j'y suis allé, j'ai chargé la partie. Donc on peut pas y accéder, je me suis fait un peu spoiler aussi au passage. Donc on peut pas la trouver, la connaissance pour le moment, mais c'est pas parce qu'il faut finir le jeu tout simplement. Et toutes les choses non découvertes, ce sont des choses qui se débloqueront après la fin du jeu. Donc voilà, on a fait tout ce qui était possible. Il nous manque rien. Il nous manque rien, faut juste finir le jeu maintenant. Attends, pourquoi tu me dis de passer? On doit pas aller au centre? Bah oui. Bah, du coup, on monte par là. Et voilà. Donc ouais. On n'a plus rien à faire. On dirait que ce voyage à Muspelheim s'est bien passé. Oui. Probablement. Surt ne voulait pas impliquer Sinmara, alors au lieu de s'unir à elle pour former la bête du Ragnarok, il a proposé une solution qui permettrait de la laisser tranquille. Je vois. Dans ce cas, espérons qu'il viendra plonger son épée au cœur d'Asgard lors du Ragnarok. Et où est-ce exactement? Seul Surt le sait. Bien. C'est quand tu veux.
Les armées se sont sûrement rassemblées dans leurs royaumes respectifs, en attendant qu'on sonne le Gjallarhorn. J'espérais que certains d'entre eux seraient déjà ici. Quand toutes les tours des royaumes s'ouvriront une à une, tu les verras, petit. Odin n'en croira pas son œil. Non. Odin a eu l'éternité pour se préparer. Même si Groal a dupé, il a entendu la vérité sous les traits de Tyr. Ne le sous-estimez pas. Oh. Excellent discours, mon frère. Très motivant. Il y a des Valkyries. Ça, c'est les Valkyries libres. Waouh. Les Valkyries ont l'air différentes. Bienvenue. Ildis Vinim a raconté votre réussite. Nous nous sommes préparés en conséquence. Eh bien, que serait le Ragnarok sans Ragnarok? Qui d'autre nous a rejoints? Je vois les Valkyries. Elles sont même nées à nouveau. Matérielles et dépourvues de toute corruption. Cool. Grâce à beaucoup de magie vanne. Elles sont des Skjaldmaux à présent. Génial. Et ton frère? Il est là. Les elfes ont instauré une trêve pour s'unir contre Asgard. Nous aurons l'avantage dans les airs. Et avec l'armée de Hel en avant-garde... Et Sindri, est-ce que les nains se battront? Nous sommes sans nouvelles. Mais il reste du temps. Et je pense que nous avons ce qu'il faut pour ouvrir la voie à la bête du Ragnarok. Après tout, dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait? Ah, ça tue. Ah, vous le sentez qu'on arrive vers la fin de l'aventure? Ah non. Oh, c'est triste. C'est triste. Sigrun, comme il est bon de te voir si... vivante. Oh, oui. Je n'étais pas moi-même la dernière fois. Ça, c'était la reine des Valkyries, je crois. Que tu sois sauf. Ma reine, les Skjaldmaux accompagneront les forces en provenance d'Alfheim, la nouvelle reine. De Helheim et de Midgard. Nous nous tenons prêtes. Kratos, Atreus, Mimir, veuillez m'excuser. Oh. Eh bien, bonne nuit. Freya, as-tu trouvé comment quitter Asgard? Si les tours permettent d'y entrer, espérons qu'elles permettent d'en sortir. Et si ce n'est pas le cas? Nous savions tous où nous mettions les pieds. Il ne nous manque plus qu'une seule chose. Un chef. Cet honneur te revient. C'est ton droit légitime. Et tes troupes te respectent. Et tu as déjà affronté cet ennemi par le passé. J'ai tenu son armée d'invasion en échec. Aujourd'hui, nous sommes les envahisseurs, et nous assiégeons son territoire. Je veux notre général le plus expérimenté aux commandes. Je n'ai que faire des honneurs, des prophéties ou des champions. Seule la victoire m'importe. Freya... Je sais ce que je te demande. Essaie... d'y réfléchir. Je me demande, je sais plus à quoi elle ressemble honnêtement, mais je me demande si c'est pas exactement les mêmes Valkyries qu'on a combattues dans le premier jeu. Elle, c'est celle qui a dû remplacer Freya, parce que Freya avait perdu ses ailes et tout ça, et c'était la reine des Valkyries du coup, dans le 1. Mais maintenant Freya est devenue redevenue une Valkyrie. Ah, même les elfes noirs et blancs, ils se sont unis. Donc ça tue. On a vraiment tout le monde, quoi. Ah, c'est fou dans un sens, parce que c'est tout ce monde-là, c'est Kratos qui va mener l'assaut. Le dieu de la guerre, mais qui est pas d'ici, quoi. Enfin, le seul... Ouais, au final, c'est le seul rescapé de la Grèce, quoi. C'est fou. Oh, nous y voilà. Vu qu'il a tué Kratos, tout le monde. Ta tente est sur la droite. Atreus, la tienne est à gauche. La mienne? Tu ne penses pas qu'un jeune guerrier mérite son propre espace? Si. Wow. Merci. Pense à ce dont nous avons parlé. Tu me donneras ta décision demain matin. Les royaumes en guerre. Excuse-moi. Yo. Puis-je parler un instant à Mimir? Ah, ils étaient ensemble. J'ignore où nous serons demain, mais... si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine.
Me conterais-tu une dernière histoire idiote? Rien ne me ferait plus plaisir. À part peut-être une danse. Mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect, je ne dis pas d'histoire idiote. Toutes tes histoires sont idiotes, Mimi. Tu as toujours raison. C'est stylé de les mettre comme ça. En plus, c'est vrai que ça tient, en fait. Classe. Eh ouais. Dieu de la guerre qui reste un dieu de la guerre. Pas de répit. Oh, il a... Je peux dormir ici. Il a un nouvel équipement. J'aurais dû l'enlever aussi, les trucs de Asgard. C'est... ça fait mauvais. Ça va, elle est jolie cette tenue. Jamais je m'endors. Tu pourras la finir demain. Bien sûr. Bon. Ferme les yeux. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva, il... Je crois qu'il se retient de pleurer. Super histoire, Kratos. Ça t'a pas changé pour les histoires. Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné.
Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés, pour veiller sur nous et nous ramener à la maison. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. C'est ainsi quand on est mortel. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer. Ça, c'est pour les cacher au, à Odin et tout le monde. Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien, dis quelque chose. La marque j'aime sur le bois. Ta voix. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ? Ah oui, elle lui avait dit de couper exactement ces bois-là pour son bûcher. D'où je viens ? Nous inhumons ceux qui nous sont chers. Tu me piégerais sous terre pour l'éternité ? Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. Pour toi et pour notre fils. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Fais. Imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Et pourtant, nous aimons, malgré l'inévitable. Nous ouvrons notre cœur à ce risque. Quand le bûcher sera consumé, et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus haut sommet de tous les royaumes. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus.
Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps. Je te rejoins dehors, père. Général. Ses émotions. Allez, c'est l'heure de couper des têtes. Nous espérions livrer bataille à vos côtés une dernière fois, ma reine. Moi aussi. Mais plus en tant que reine. En tant que sœur. Es-tu prêt? Oui. Je serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres? Allons au temple. Parti. Sonnez le galard. Ah, ils ont des, elles ont, les deux, ils ont des super tenues. J'aime bien. Aïe, 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 aïe. Hey, Général Kratos, j'ai quelque chose pour toi avant que tu partes en guerre. C'eût été dommage de l'oublier. T'as quoi pour moi? Place à la magie! Protège libre arbitre, c'est quoi? À la sortie d'un état de rage, confère un court bonus de force, défense et pouvoir unique et résistant aux attaques déstabilisantes. Une armure pour la fin des temps, affectueusement fabriquée par Lunda. Ah, elle est à zéro. Merci. Tu me remercieras plus tard, beau barbu. Enfin, si vous êtes à tout ce foutoir. C'est promis. Accélère le gain de rage. On peut aller jusqu'à 20%. Ouh. Wouhou, quelle classe! C'est pas mal du tout. Par contre, j'ai... Je vais chercher mon marteau. Alors, attends. Ok, armure, tunique du libre arbitre. Une tunique destinée à ceux qui s'opposent au destin. C'est classe ? Très classe. Très très classe. Rien que le meilleur pour toi. Et pour le gamin ? On va augmenter ça. Je te remercie.
Et on va lui mettre, parce que voilà, on est plus, on va pas mettre un truc de Az. Le Jotnar, je suis pas très fan du Jotnar. Tu sais ce que tu veux ? Je sais pas. La Dropnir, on est bon. Les Chaos, c'est bon. Il y a que la hache, il lui manque une flamme de glace. Je sais pas. Ah, c'est sûrement je la... Je vais chercher mon marteau. Sûrement la tombe, je dirais. Bonne chance, général. Alors, est-ce qu'on veut de l'armure ? L'armure du libre arbitre, là. Cuirasse perdue de Lunda. What? On a ça. Ah, attends. Faut qu'on regarde les. Je vais chercher mon marteau. On regarde les augmentations. Désolé. On va regarder un peu ça et ça va être la fin de notre épisode. Et le prochain, ça sera le dernier, je pense. Alors, l'armure de Surte. On n'en a pas vraiment besoin. Dragon, braise éternelle. Celle aussi elle est pas mal. Cuirasse perdue de Lunda. Ça là, elle nous a vraiment aidé pendant un moment. Protège épaule du libre arbitre. Est-ce que on l'augmente ou pas ? Elle est jolie. Elle est jolie, mais je suis pas très fan. Libre arbitre. Je me demande si on peut utiliser une partie. En fait, le renouveau. On va perdre le renouveau et je crois que là c'est mort. Attends, là on a quoi ? Pourquoi on a pris celle-là ? Puis moins de dégâts, ok. C'est où libre arbitre ? Survie, skirt, libre arbitre, pardon. Accélère le gain de rage. Ça peut être pas mal, on perd un peu de force, mais tout ce qu'on perd, on le gagne dans la chance, vitalité et défense. On peut faire ça. Je sais pas pourquoi l'arme s'est allumée. Y a rien à augmenter, je sais pas du tout. Après, l'armure en elle-même... Merde, attends. Il y a un bug. Range le bouclier, merci. Voilà. Là, on dirait un général. L'armure en elle-même... Elle est ouf, libre arbitre, elle est là. Non. L'armure en elle-même, non. Parce que on va perdre les runes. Ça fait 61 de runes en moins. Donc du coup, on va perdre notre bijou. Et après, honnêtement, sortir de rage, là, ça fait force, défense et tout ça, c'est pas vraiment intéressant. À moins que ça marche avec Kourou. Et on peut enchaîner les courroux en fait avec le bonus de force, ça peut être intéressant. Mais bon voilà, c'est pas. Honnêtement la nôtre est mieux. Même si j'avoue qu'elle est. Oui, elle est pas. C'est pas la plus jolie, hein, celle qu'on a. Je préfère Berserker ou Stainborn et tout ça. Mais bon. On a ça, c'est pas grave. Elle est extrêmement utile. Après, on a les bandes spirituelles pour le renouveau. Ça c'est pour l'esquive. Le libre arbitre sont jolis. Le libre arbitre, les gants sont très jolis. Alors que les bandes spirituelles, je les aime pas trop. Mais par contre, si on fait ça, du coup. Ben, le truc, c'est que si on met pas bande spirituelle ici, il faut le mettre ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je dis pas non pour ça là, mais voilà, le renouveau. Maintenant il faut du renouveau sur sur la taille par exemple. Donc bande spirituelle, éveil spirituel. Non. Ceinture spirituelle, c'est ça qu'il nous faut.
Elle est verte. Ça va pas du tout. Désolé, mais ça va pas du tout. Si elle était rouge au moins, à la limite, ou alors même ça, là, la même couleur, d'accord. Mais si on la met à fond, elle va être verte. Ça fait très moche. Mais on pourrait faire ça. On met genre ceinture spirituelle, défense et renouveau. Et après, on mettrait libre arbitre. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Mais du coup, non. Du coup, non. Par contre, on peut faire ça. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, bon, on aura plus la défense de dégâts, tout ça. Mais bon, si on a 10% de rage en plus, pourquoi pas. Ça charge plus vite. Je dis pas non. Parfait. Fais prendre un bain de sang à cette armure. Wouhou ! Quelle classe ! Voilà, vitalité 180, défense 400 piles. C'est pas mal. Oh. C'est pas mal. Et après... Alors si j'enlève ça, donc il nous faut 170 de vitalité. Après, est-ce qu'on peut vraiment mettre autre chose? Alors il nous faudrait... Je vais voir. Désolé, je fais des tests. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Je fais des tests parce que je suis curieux. Pour que ça soit plus joli en fait. Donc on a celui-là, brûlé de surte, non. Toile déchue, braise éternelle, c'est très joli, mais c'est bof. Libre arbitre, j'aime beaucoup. On pourrait être comme ça, c'est pas mal. Mais du coup, le renouveau, il en prend un coup. Et le problème avec le renouveau, c'est que c'est la merde. On arrive à 80 comme ça. Et là, on perd le bonus de déstabilisation. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas, on fait des tests là. Je pense que je... Va parader maintenant. Fais prendre un bain de sang à cette armure. Putain, vestige trempé, il m'en faut 2 de plus. 3 de plus, pardon. Chier. Je vois pas ma vie. Là, on a gagné en vitalité. Faut que j'enregistre les stats, en fait. On a quoi? On a 202 de vitalité. Si je fais ça... Oh là là, que bordel. 202 de vitalité... De 102, et là on est à 180. Ouais. Je pense pas que ça vaille le coup de perdre les bijoux là de. Les dégâts d'étourdissement. Je pense pas que ça vaille le coup. Parce que les dégâts d'étourdissement c'est quand même utile en fait pour que ça soit boss ou ennemi normaux ou élite ou des trucs comme ça. Donc je pense pas que ça vaille le coup de perdre ça. Pour essayer de corriger le fait qu'on n'a plus de renouveau. Donc ouais. Parce que, encore une fois, la tempête, moi j'adore la tempête. Hein. Une tempête de Bifrost,
Donc j'ai pas envie de l'enlever. Et surtout que le renouveau, c'est vachement bien pour les runes. Donc ouais, plus on fait des runes et plus on est. Plus on tue vite. Donc voilà. Ça, en plus ça passerait 20 notre gain de rage, c'est pas énorme. Donc on augmente notre gain de rage de 10%. Voilà. Bon, on n'a qu'à rester comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Après, toujours la même chose, on peut changer d'armure. On peut prendre la berserker si on veut. Avec la berserker, on reste encore potable. Pour les bijoux, je crois. Ouais, on a tout. Et si on met la berserker, du coup, on peut mettre libre arbitre. Ouais, et on est à 235 de vie. Enfin, de vitalité. On a perdu un peu de défense, par contre. Donc là, on aurait 20% de gain de... Ouais, mais là, on a zéro défense, en fait. Ouais, non, mais c'est trop dangereux. Je veux bien qu'on soit extrêmement puissant, mais... Ouais, je dis pas non hein, pour être puissant, hein, c'est pas ça le problème, mais on est encore en God of War. Hein, c'est pas parce que on est puissant que les autres seront pas puissants devant nous. Hein. Donc non. Non, on va rester comme ça. Mais voilà, on a fait une petite mise à jour, on a la ceinture du libre arbitre. Et encore. Je me demande si c'était pas mieux de garder les 20% de dégâts en moins. Allez, on va s'arrêter là. Continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, ce sera sûrement la fin du jeu. C'est cool. L'aventure a été superbe. Donc ouais. À la prochaine. Ciao.